Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu veux me tuer? Mais qu'est-ce qu'il y a? Hey! Je vais te punir. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Reviens ici, je vais te punir. Qui est-ce? Reviens là, espèce de bâtard. Hey, allez, arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Tu joues avec moi, n'est-ce pas? Allez, arrête. Arrête, lâche-moi, non? Tu es parti de ce côté-là, n'est-ce pas? C'est quoi le problème? Cet homme est un idiot. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne me donne pas assez, il ne me donne pas tout ce que je veux. Aucun homme ne peut te donner ce que tu veux. Retiens cela et reste tranquille. Comme ça, tu ne finiras pas comme Chizzy. Qui est Chizzy? Je suis Chizzy. Assieds-toi. Je vais te raconter une petite histoire. Vas-y. Pour moi, les signes rayonnaient de partout. Mais j'ai refusé de prêter attention à cela. C'est apparu comme un rêve. Tout le monde doit apprendre dans mon histoire. C'est l'histoire d'une femme négligente. Raconte-la. Ça a commencé avec la jalousie. Et puis ça a progressé avec l'orgueil. Orgueil, orgueil et plus d'orgueil. Tu es censé être un homme. Tu es censé être excellent dans toutes tes transactions. Tu es censé être souciant. Mais tu ne l'es pas. Allez, aucun homme n'est parfait. Je ne te demande pas un mariage parfait. Tout ce que je veux, c'est un bon mariage. Tu n'es pas romantique. Je suis romantique. Ferme-la et laisse-moi parler. Tu n'es pas romantique, tu es rigide. Tellement rigide que je t'apprends comme être flexible. Et jusque-là, tu chiales et tu te plains comme un petit garçon qui a perdu son toutou. Ne me tape pas sur les nerfs. Non! Je ne supporte plus ça, je suis fatigué! Vraiment fatigué! Tu ne supportes plus quoi? Prends la voiture, rentre à la maison, je suis fatigué! Tu es fou? Tu es défoncé? Quoi? Tu es bête? Quelque chose ne va pas chez toi? Entre dans la voiture maintenant, ne me mets pas en colère, oh! Entre dans la voiture, Robina! J'ai dit que j'en ai marre! Tu vas entrer dans la voiture, tu en as marre de quoi? Marre d'être stupide, tu veux dire? Entre là, mon ami, la thérapeute nous attend! Je n'ai pas besoin d'une thérapeute. Tu as besoin d'une thérapeute. Tu en as besoin. Tu as besoin d'une thérapeute. Je n'en ai pas besoin. Tes sens ne sont pas intacts. Tu as besoin d'une thérapeute. Allez, entre. Ne me fais pas chier. Parce que je vais oublier le fait que nous sommes dehors et je vais t'embarrasser. Je vais t'embarrasser lourdement. Mon ami, vas-y. Dépêche-toi. Entre dans la voiture. Entre dans la voiture, ne me fais pas le temps. Dépêche-toi et allons au bureau de la thérapeute qui nous attend. Maintenant. Maintenant, sinon je vais te servir la folie. Je vais te servir la folie. Entre, entre. Tu en as marre, tu en as marre de quoi? Tu en as marre d'être inutile? Marre d'être insensé? Marre d'être un idiot? N'arrête plus cette voiture. Jusqu'à ce qu'on arrive à destination. Tu connais la destination, ce n'est pas la destination ici. Pourquoi tu me tapes sur les nerfs? Et après tu me demandes pourquoi? Pourquoi je me comporte comme une tarée? Ne me tente pas, oh. Alors, il y a eu du nouveau entre-temps? Eh bien, Non.
presque pareil. Nous sommes toujours émotionnellement déconnectés. La distance entre nous est toujours énorme. Il y a le souci du manque d'affection, des baisers qui laissent à désirer, les sevrages sexuels, les communications bizarres. C'est beaucoup et il est toujours là. Bébé. Quoi? Je croyais qu'on avait fait l'amour ce matin. Quand était la dernière fois que tu m'as dit que tu m'aimais? Ce matin. Tu ne l'as pas dit. Dans le... Non, tu ne l'as pas fait. Non, je l'ai dit. Tu me traites de menteuse? Oui, j'ai dit que je t'aimais. Tu confirmes que tu me traites de menteuse? Je n'ai pas dit que tu es en train de mentir, mais je t'ai dit que... Est-ce que vous pouvez vous calmer? Tu vois ce qu'il fait? Quelqu'un qui fait ce genre de choses, n'est-il pas évident qu'il a une amoureuse quelque part? Sinon, comment expliques-tu la gêne qu'il y a entre nous s'il n'a pas une amoureuse secrète quelque part? Jizoba, tu ne peux pas lui demander d'être romantique dans ces circonstances. Parce que là, tu l'éloignes plutôt. Il est en train de me repousser. En fait, je lui ai dit récemment, oui récemment, que je n'ai pas besoin d'une thérapeute. Eh, oui, au moins tu peux le voir par toi-même. Elle a besoin d'une thérapeute, pas moi. Tu es malade. Tu es malade et tu es très stupide. Quelque chose ne va pas là-dedans. Tu es malade. Ok, tu crois que tu peux m'embarrasser devant la thérapeute? Ce n'est pas un embarras. Ça ne l'est pas. Je ne fais que... Hé, hey, si monsieur, arrête de râler comme une femme qui vend du piment au marché. Parce que voilà comme ton médecin. Et toi, le patient, toutes les bêtises tordues qui sont dans ta tête là, elles vont les arranger avec les mots justes et les bonnes tâches. Alors assieds-toi ici et laisse-toi arranger par elle. Tu chiales, ne t'en fais pas, je vais te montrer qui je suis. Je vais te faire bosser. Tu vas faire du jogging, tu vas ramper, peu importe ce que ça coûte. Tu vas rentrer, mais pas avec la voiture, je te laisse ici. Thérapeute, fais ton travail chez lui, fais ton travail. Tizoba. Où est-ce que tu vas? Écoute. S'il te plaît, assieds-toi, s'il te plaît. Non, est-ce que tu l'as vu? Oui, j'ai vu. Elle a pris les clés de la voiture et me demande d'aller à pied. Assieds-toi, ok? S'il te plaît. Oh. Très bien. Écoute-moi. Je veux que tu sois honnête avec moi. Comme ça, je pourrai arranger votre mariage. Ok. C'était quand la dernière fois que tu as vu ton ex? Mon ex est morte il y a très longtemps. Tu penses encore à elle? J'ai même presque oublié. À quoi elle ressemblait? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle a tellement bien fait que ta femme ne fait pas? Rien. En fait, ma femme est une bonne femme et... C'est juste qu'elle réclame, en fait, beaucoup d'attention. Elle veut que je sois toujours là, elle veut que je sois toujours présent. Et je suis un homme très occupé, alors je ne peux pas... passer 6 heures à câliner et embrasser. Je te comprends parfaitement. Mais je crois tout de même qu'il faut que tu fasses plus d'efforts. Que me suggères-tu de faire? C'était quand la dernière fois que tu lui as donné un cadeau? Eh bien, je lui achète souvent les cadeaux de temps en temps. Je veux dire, à ses anniversaires, à Noël. Et pendant les occasions spéciales, je... Je pense que tu devrais le faire plus souvent. Ouais, même s'il n'est pas très coûteux, ça n'a pas d'importance. Écoute, c'est tout ça qui attise et maintient la flamme de l'amour allumée. C'est vrai? Ok. D'accord, je ferai comme tu l'as dit. Merci infiniment. Je t'en prie. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé plus tôt. C'est bon. Ce n'est rien. Eh bien, je dois partir maintenant. Merci. Il n'y a pas de quoi. Prends soin de toi. Et toi aussi, merci beaucoup. Je t'en prie. Ah.
mon cœur. Tu es rentré. Après toutes les longues heures et ta disparition, tu crois que tu vas rentrer, ma collègue va disparaître? C'est étonnant. Eh bien, je t'ai apporté quelque chose. Ce n'est pas mon anniversaire. Je le sais. Mais vois-le comme un cadeau d'amour. Allez, mon cœur, je t'aime. Prends ça. Et il y a d'autres bonnes choses là-dedans. Tu sais, Obi, tu es vraiment pathétique. Tu es un homme très drôle. Nancy t'a fait faire ça. Toi que je connais, Obi. Attends une minute. Est-ce que tu sais à quel point c'est si stupide? Le fait que Nancy, une thérapeute, t'a poussé à faire ça. Obi, donc, si ce n'était pas Nancy, la thérapeute, tu n'aurais aucune idée de comment traiter ta femme. Tu n'as pas honte? Allez. Elle t'a poussé à faire ça, ou pas? Hein? Eh bien, bravo, Nancy. Elle mérite des applaudissements. On devrait lui donner un prix d'excellence pour avoir fait ce qu'elle juste avec un robot. Allez, mon cœur, il ne s'agit pas de Nancy. Vraiment? Je t'ai toujours aimé, tu le sais bien. Allez. Mettons ça de côté. Tiens. C'est bon, prends-le. En fait, je t'ai acheté des parfums qui sentent très bon. Tu vas les aimer. Jette un coup d'œil. Allez, jette un coup d'œil. Je sais que tu vas les adorer. Est-ce que je peux aussi proposer quand Naï dans la chambre pour passer un peu de temps? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, tu ne veux plus me laisser regarder ce que tu as acheté? Désolé, vas-y. Comme je l'ai dit, tu vas adorer tout ce qui se trouve là-dedans. Hein? Lâche-moi, Obi, lâche-moi, ne me touche pas. Ah ah! Qu'est-ce qu'il y a? Parce que tu m'as acheté des choses, tu vas maintenant me toucher? Hé, des limites! T'es un homme! Un peu de respect, bon sang! Qu'est-ce que tu croyais? Là, je suis en train de tomber amoureuse de ce gars. Qu'est-ce que je vais faire? Oh. Non. Certaines personnes ne savent pas ce qu'elles veulent. Certaines femmes ne mesurent pas l'ampleur du trésor qu'elles ont. T'en prie, arrête de stresser ton mari. Je veux dire, les hommes ont différentes manières d'exprimer leur amour en dehors du sexe. Est-ce que tu sais à quel point ils me sèvrent sexuellement? Deux fois la semaine. Deux fois par semaine? Mm-hmm. Et tu te plains? Tout homme qui te le donne deux fois par semaine, laisse-moi reformuler. Tout homme qui travaille et qui te le donne deux fois par semaine est un homme très bien. Je vais être différente. D'accord? Et heureusement pour moi, j'ai trouvé la solution.
Comment avoir ce que je veux de lui quand je le veux? Qu'est-ce que tu veux dire? Le Taïdius. J'ai découvert le Taïdius. Ça rend un homme très excité. Hmm? Excité et puissant. Il pourra chevaucher pendant des heures et il ne se fatigue pas. Copine! Et puis, j'ai entendu dire que cette puissance dure pendant des semaines. Alors, tu vois ce que je vais... Tu vois, le travail va durer pendant 2 semaines. Sais-tu si ça a des effets secondaires? Allez, ou pas? Chérie, il n'y a pas d'effets secondaires, c'est strictement naturel. Je me demande pourquoi c'est un problème pour toi maintenant. Parce que je le veux à moi toute seule. Ne vois-tu pas que ceci est risqué? Il pourrait peut-être le faire avec d'autres femmes. Oh, je t'en prie. Pas quand j'aurai stratégiquement planifié son itinéraire. De telle sorte qu'il n'aura aucun temps pour forniquer ou chercher n'importe quelle femme. Pas de flotte, pas de concubine, rien du tout. Je pense que ça va très bien marcher. Je vais le déposer et le regarder entrer dans son bureau. Et puis, à la fin du travail, tous les jours, je vais conduire et aller chercher mon mec et l'emmener à la maison. Tu saisis? Madame Plan. Oh ouais. Madame des Plans. Je suis bourrée d'intelligence. Okay, oh. D'accord. Maintenant que tu as tout planifié, j'espère juste et je prierai pour que tout cela ne foire pas. Allez, meuf. Jamais de la vie. Ça ne va pas foirer. Copine, ce dont tu devrais parler maintenant, c'est de ton mariage et non de tout ceci. Juste détends-toi parce que tout est sous contrôle. Ce que je veux, c'est de m'assurer qu'Obina m'aime sans condition, même après le mariage. Et tu crois que c'est la meilleure façon de gagner son amour? Non, non, mais c'est sans doute la manière de construire notre amour. Une fois que j'aurai terminé avec lui, j'aurai tout gagné. Tu vois ce que je veux dire? Madame, je sais tout. Détends-toi. Je suis ma puce. Tu sais que ma technique culinaire est de haute gamme. Mais va là dedans. Donc, détends-toi, je suis sur le point d'exciter tes papilles. Oh mon Dieu. J'ai hâte de manger tout ça. J'ai hâte de manger tout ça. Comme si je le savais en devenir. Je n'ai pas mangé en venant ici. Eh ben oui. Parce que meuf, tu peux cuisiner. Don't make me feel like I'm not enough. Don't make me feel like not enough. Chérie, je t'ai apporté un peu de jus. Bois ça et repose-toi. Chizoba, je n'en ai pas besoin. Et comment m'as-tu appelé? Est-ce que tu viens de m'appeler par mon nom? Regarde, je suis désolé, je l'ai dit à cause du stress. Désolé. Et tu l'as dit à cause du stress? C'est quoi ce médic stress? Obina, quel genre de stress te poussera à ne pas m'appeler de façon douce? Je ne comprends pas. Et tu m'appelais par un nom qui n'était pas le mien l'autre jour. Et je suis très sûre que ce nom appartient à l'une de tes nombreuses concubines. Ah, mon cœur. Allez, je viens de te dire que c'était une erreur. Ne peux-tu pas laisser tomber? Comment? Obina, comment est-ce que je vais laisser tomber? Je veux que tu me la prennes, montre-moi comment laisser tomber, parce que ça devient très chiant. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Obina? Quand est-ce que dans ce monde, tu vas commencer à bien me traiter comme ta femme, comme une véritable compagne? Tu me dis que tu étais stressée? Que te stresse? J'ai dit que j'étais désolée. Et ça ne va plus se répéter. Tu m'as dit la même chose l'autre fois quand tu m'appelais Anne. Et Anne n'est même pas mon nom. Qui diable est Anne? Tu ne me l'as pas toujours dit. Oh, Dieu. Et quand le moment sera bon, tu me diras qui est cette Anne.
Donc on va encore revenir sur cette histoire. Allons, dossier. Pas vraiment. Oui, à quelle heure? Ok, ne t'en fais pas. Quand j'aurai terminé avec ce que je vais t'appeler. D'accord, à plus tard. Aujourd'hui. Termine avec ça. Tu as du boulot à faire sur moi. Putain! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est quoi cette bêtise? Est-ce que tu viens encore de m'appeler Anne? Je n'ai pas dit Anne! Tu l'as fait. J'ai dit putain! Si tu l'as fait, maintenant tu me traites de sourde? J'ai dit putain! Ne me fais pas attendre longtemps. À plus. J'en ai marre. Hey, mon cœur. Tu es là. Comment tu vas? Ma très chère. Mon cher, excuse-moi. Excuse-moi, je t'en prie. Ta chère quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'es levée du lit? Regarde-toi. Belle, comme toujours. Tu vas bien? Oui, bien sûr. Tu es sûre? Ouais, c'est juste que tu es plus belle que plus tôt aujourd'hui. Tu sais, ta beauté ne cesse d'augmenter jour après jour. Et je suis venu te dire que j'ai épousé une belle, extraordinaire et merveilleuse femme. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu es excitée, n'est-ce pas? Tu me connais déjà assez bien, c'est évident. Okay. Et si on... Ok, je vais te dire ça. Tu vas me dire qui est cette Anne. Et puis nous allons monter sur ce lit et faire l'amour passionnément. Anne? Qui est Anne? Mon cœur, je n'ai aucune idée de qui ça pourrait être. Ton amoureuse secrète? Non, je n'ai pas d'amoureuse secrète. Écoute, je ne t'ai jamais trompé. Je n'ai jamais pensé à le faire. Et ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Vraiment? Oui, vraiment. C'est la vérité. Tu mens. Il y a bien une Anne avec qui tu couches. Et maintenant, tu veux coucher avec moi. Comme ça, tu vas me contaminer les MST que tu as chopé d'elle. Je le jure. Sur tout ce que j'ai de chair, je ne connais personne. Avec ce nom, Anne. Donne-moi l'information que je veux et je vais éteindre le feu qui brûle en toi. Allez, mon cœur, je suis ton mari. Ce que tu dois entendre, c'est que... je t'aime. Je ne t'ai jamais trompé. Et je ne vais jamais te tromper. Voilà ce que tu dois entendre. Et je ne vais jamais le faire dans ma vie jusqu'à ce que je ne meure. Je ne vais jamais penser à te tromper, chérie. Mon cœur. Allez.
crois que tu étais éperdument amoureuse de lui. Les femmes ne font pas de scène si elles ne sont pas amoureuses d'un homme. Je ne sais pas ce que c'était. Mais je sais que tout est devenu de mal en pire avec la mission. Quelle mission? Je n'aime pas ce qui se passe actuellement. Tu dois faire preuve de patience. Tout ne peut pas s'arranger en un claquement de doigts. Ce processus est progressif. Eh bien, cette procédure est très longue et je deviens de plus en plus impatiente. Pourquoi tu t'es-tu? Tant que tu connaîtras tes faiblesses, il y aura toujours une place pour des solutions et des améliorations. Et après toutes ces étapes, votre union sera véritablement agréable. Utilise ça pour trouver son amoureuse secrète. Elle s'appelle Anna. Et du moins, c'est comme ça qu'il m'appelle. Découvre qui elle est, où elle vit, ce qu'elle fait, tout à propos d'elle. Je veux le savoir. Et qu'est-ce qui te fait croire que ton mari a une amoureuse secrète? Nancy, je peux crever mon œil et le dire avec certitude qu'Obina me trompe. C'est pour ça qu'il m'appelle comme cette fille. Anne, qui diable est cette Anne? C'est ce que je veux que tu découvres. Ceci ne fait pas partie de mon travail, Dizzy. Si je faisais ça, je serais très riche actuellement. Dizzy, ceci va sans aucun doute briser ton foyer. Non, non, ceci va arranger mon foyer. Alors prends l'argent et fais le travail. Écoute, et si tu veux que je double ceci, je vais le doubler. Mais s'il te plaît, fais le travail. Is it a crime to love you the way that I do? Is it a crime to love you? Is it a crime? My lover, my lover. My crazy, crazy lover. Is it a crime? I made you my own. C'est la parfaite illustration de l'essai en poisson. Entre les mains d'une souris. Oh Nancy, si tu t'entêtes, tu vas te casser le nez dans cette histoire. Je suis désolée parce que je m'apprête à violer l'éthique. Sa beauté me rend vraiment dingue et je... Et là, je me vois déjà en train d'être couchée sur ses pieds. Allô, Monsieur Obi. Je vais bien. Comment tu vas? Je suis vraiment désolée de t'appeler à cette heure, ok? En fait, je voulais savoir si tu pouvais te faire disponible demain en après-midi pour que je te dise quelque chose de très important. Oh, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je vais t'y attendre. Ok, bye. Nancy, tu es sûre que tu peux faire ça? Ah, Seigneur, je sais exactement ce que ça fait d'être trahie.
please don't break my heart. You know, I love you. Yo! Ouais? On dirait que t'es pas pressé, hein? Ta femme a voyagé? Non. Ma femme est là, je veux juste un endroit où je pourrais me détendre, tu vois. D'accord, je te comprends. Ouais. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu veux qu'on aille dans un bar? Dis-moi. Dansier, dans selon toi, tu me connais très bien. Qu'à chaque fois que je te parle de détente, ton esprit pense au bar. Hein? La prochaine fois, tu vas me dire que j'essaye de m'échapper des problèmes familiaux. C'est pas ce que j'ai dit, frérot. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ce que je viens de dire? J'ai pas dit ça. Tu sais quoi? Entrons dans la voiture, nous allons en fait au bar. Ben voilà. Pour prendre des bières. Mais non, tu parles. Ah, mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu jouais à quoi, là? Non, je ne vais pas succomber à ça. Attends, tu vas pas succomber à quoi? Rien. Ah, rien? Il y a 10 minutes, t'étais perdu dans tes pensées. Je me demandais à quoi tu pensais. Et maintenant, tu me dis rien. Oh, mais... Allez, dis-moi, qu'est-ce qui va pas? Parle-moi. Dansier, que veux-tu que je te dise? Hein? Que veux-tu que je te dise? Tu adores le commérage. Et je ne le ferai pas avec toi, es-tu une femme? Mec... Entre dans la voiture et partons. J'espère que tu vas bien, dis-moi. Hein? Je suis ton pote. Si t'as quelque chose à dire, fais-le maintenant. Je te connais, tu veux qu'on me rie. D'accord. T'as fini par t'épuiser. Y a pas de souci. Allons-y. Is it a crime? My lover, my crazy lover. Is it a crime? I made you my own. Not because of whom you think you are, but 'cause I love you. And I love you. Sortie. Avec la thérapeute. Eh bien, ça sonne très bien. Merveilleusement bien, je dirais. C'est un piège. Parce que si c'est le cas, je suis prêt à me faire prendre dans ça. Ouais. Salut, Nancy. Comment tu vas? Je vais très bien. Merci d'avoir demandé. J'ai attendu ton appel et je voulais avoir de tes nouvelles. Tu étais capable de le voir? Non. Je n'ai pas encore pu lui parler. Il m'a fait comprendre qu'il était débordé au bureau. Mais dès lors que je discute avec lui, je te reviens et je te fais le feedback. Ok. Pas de souci. Merci beaucoup. Bonne nuit. Doris, tu dois voir comment mon bouc, ce pavane au salon en ce moment, en train de se parler comme un fou. Je te l'ai dit, je t'ai dit que j'allais lui donner une bonne leçon, n'est-ce pas? Et devine quoi, je ne fais que commencer.
Ma puce, t'as pas besoin de faire ça. Ce dont tu as besoin maintenant, c'est de l'amour, la compréhension et la confiance. Ce sont des choses importantes pour construire ton foyer. Tu devrais déjà réfléchir à comment préparer ton mariage religieux. Après ça, tu pourras donc réfléchir autrement. Ouais, quand les enfants feront surface, ils viendront avec beaucoup d'amour. Il paraît que quand les enfants viennent, ils viennent avec beaucoup de chance dans un foyer. Ouais, ils fortifient l'amour. Une fois que la thérapeute viendra avec l'épreuve, alors je montrerai à Obina de quoi je suis faite. Si tu le dis. D'accord. Ciao. Alors, bébé, tu es encore ici? Oh, chérie. Qu'est-ce que tu fais encore ici? J'étais au téléphone avec Cheesy. Oh, Cheesy, est-ce que tout va bien? Eh bien, ouais, tout va bien. Oh, tant mieux. Eh bien, tu sais que ce lit est bien trop grand pour moi tout seul, n'est-ce pas? Ah! Allez, on y va. Oui. Oh, mon Dieu! C'était encore quoi, sa question? Elle voulait savoir si j'ai été capable de parler à son mari. Eh bien, en disant que je vais lui parler de façon grandiose. Santé. Ouais, bien sûr. Santé. Ah. Je suis très contente que tu te sois fait disponible pour honorer un rencard. Un rencard, tu dis? Oh, donc c'est de ça qu'il s'agit. Elle est bien bonne, celle-là. Rien dans la vie n'est anodin. La vie en général est remplie de très belles choses. Eh bien, disons que la beauté est contenue dans toute chose qui existe. Absolument, ouais. Ok. Bon, dis-moi. Quelle est ta plus grande peur dans la vie? Cela devrait être... tromper ma femme. Ah. L'infidélité. Bonne réponse. Eh bien, je croyais que tu voulais qu'on se rencontre de cette façon pour avoir une conversation importante. Oui. Il y a quelque chose dont je voulais qu'on parle avant, mais... je ne pense plus que ce soit vraiment nécessaire. Pourquoi? Simplement parce que je ne veux pas que tu trompes ta femme. Attends. Essaies-tu de dire que... tu as embêté un tourment? C'est ta femme. Ma femme? Que vas-tu lui dire? Excuse-moi. Salut, Madame Obi. Comment tu vas? Ah, non. Je n'ai pas encore plus parlé avec lui. J'ai essayé de l'appeler, mais il n'a pas décroché. Et donc, j'ai pensé passer demain à la maison pour le voir. Ok. D'accord. À plus. Prends soin de toi. Bye. Pourquoi est-ce que tu lui as menti? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je suis censée sauver ton mariage. C'est ce que j'ai fait. Vas-y, bois. Je crois que j'ai déjà...
assez bu. Je ne peux pas boire plus d'un verre. Obi, le fait de prendre un peu d'alcool ne te fera aucun mal. C'est juste une boisson. En plus, c'est moi qui invite. Alors fais-toi plaisir et bois. Your love is pushing me to the wall. Your love is pushing me to the wall. Why don't we work this out? Nancy, attends. Nous devons arrêter ça. S'il te plaît. Mais pourquoi? Je pensais que tu ressentais déjà la même chose que moi. Obi, je t'en prie, ne me fais pas regretter de t'avoir embrassé. Je suis désolé, mais est-ce que tu veux vraiment que je trompe ma femme? Tu n'as pas à t'en faire pour ça, elle n'en saura rien. Qui va le lui dire? Obi, écoute. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Tu ne le vois pas. On ne devrait pas. Regarde, on ne devrait pas le faire. Écoute, ce n'est pas du tout bien. Tu as besoin de ça. Tu en as besoin. Fais-moi confiance. Hein? Je dois partir. S'il te plaît, je dois partir maintenant. Vraiment, désolé, mais je dois partir. Obi, s'il te plaît, je t'en supplie. Obi, regarde-moi. Je comprends comment tu te sens. Nancy, et je suis Nancy. Vraiment désolée. Mais je ne peux plus plaît, me contrôler. Je t'aime et je ne peux plus le Nancy, cacher. Nancy. Obi, s'il te plaît. Est-ce que tu peux te calmer? Ok? Assieds-toi. Je dois partir. Obi, ne t'en va pas, s'il te plaît. Pushing me to the wall. Your love is pushing me to the wall. Why don't we work this out? Work this out. Et s'il en parle à sa femme? Et si jamais il venait en parler à sa femme, qu'est-ce que je vais faire? D'où viens-tu? Obi, je te parle. D'où est-ce que tu viens? Tu dois me dire d'où tu viens. Tu veux passer? Viens donc passer. Je suis allé m'amuser avec mes amis. C'est de là que je viens. T'es quoi? Je suis allé m'amuser avec mes amis. Tes amis? Quel ami? En fait, épelle ami. Obina, parce que je sais très bien que tu es à la maison de ton amoureuse secrète. Pardon? Ouais. Et tu te places là, avec toute la confiance de te dire que tu es avec des amis. Tu penses que je vais croire ça? D'où est-ce que tu viens? Écoute, s'il te plaît, je ne suis pas d'humeur pour ton petit spectacle cette nuit. Oh, j'ai fait une scène. Alors, est-ce que je peux aller là-dedans? Non, monsieur. Et dormir en paix? Paix? Il n'y a pas de paix pour les méchants? Ou est-ce que tu ne sais pas que tu es un homme méchant? Obina, tu es un homme méchant. Et en ce qui concerne cette journée, il n'y a pas de paix pour toi dans cette maison. Jusqu'à ce que tu me dises ce que je veux savoir. Où étais-tu? Où est-ce que tu vas? Où crois-tu aller? Ne me tente pas. Ne me tente pas. N'ose pas te placer sur mon chemin. Oh, et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas m'obliger à te frapper. Tu me comprends? Frappe-moi. Frappe-moi. Espèce de chien sans dents. Frappe-moi. Regarde-moi là. Mon corps est prêt pour tes coups. Tu dois me dire ce que je veux savoir, oh. Regarde-toi. J'ai dit, tu n'iras nulle part. Tu veux me frapper parce que j'ai dit d'arrêter de me tromper? Tu m'avertis avec tes maigres doigts dégoûtants. Tu m'avertis. Qui se bat? Obina, je vais te créer des problèmes, oh. Je vais te créer des grands problèmes. Je peux le faire, tu le sais. Jay-Z, est-ce que je peux aller à l'intérieur? Et est-ce que toi, pour la dernière fois, je ne veux plus me répéter? Ne te mets plus sur mon chemin. Viens passer. Oh, oui, oui, passez, monsieur.
Où vas-tu, hein? Où vas-tu? Qu'est-ce que tu crois? Que tu vas me traverser comme ça? Jésus, quoi? Viens passer. Jésus! Passe, non? Passe sans me dire ce que je veux savoir et je vais t'apprendre les problèmes. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Dis-le-moi juste. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne me donnes même pas une minute de paix dans cette maison. Tu le mérites. Tu ne me laisses même pas te toucher. Pourquoi? Et tu ne me laisses même pas aller là-dehors, m'amuser avec mes amis, afin de me détendre. Jésus, tu me pousses vraiment à bout. Tu me pousses vraiment à bout. Voilà, je viens juste de te pousser. Hein? Que vas-tu faire? Espèce d'imbécile, que vas-tu faire? Où est la clé de ma voiture? Mon cœur, bébé. Où est la clé de ma voiture? Je te le redemande. Où est la clé de ma voiture? Es-tu prêt à me dire où tu es allé la nuit dernière? Donc tu... t'attends à ce que j'explique à la femme qui me cause des ennuis à chaque fois dans ma maison? Où je suis allé me détendre ou m'amuser hier? Comme ça tu pourras venir là-bas et gâcher les choses pour moi? C'est à ça que tu t'attends? Tu étais avec ta concubine la nuit dernière, n'est-ce pas? Tu passais du temps avec elle. Une fois que j'aurai terminé avec toi cette fois, tu me diras tout ce que je veux savoir sur elle. Pour l'amour de la paix, tu vas me donner la clé de ma voiture maintenant. Et deuxièmement, tu vas dire, quel que soit l'esprit qui t'a possédé, qui te pousse à te comporter comme tu le fais maintenant, tu vas le dire de te laisser parce que tu commences à pousser le bouchon un peu trop loin. Obina, c'est toi qui pousses le bouchon trop loin. Et bientôt, tu seras rattrapé par tout ça. Où est la clé de ma voiture? Viens le chercher. Viens le chercher. Je suis ta clé de voiture. Je l'ai sur moi. Donne-moi les noms de tes concubines, les adresses où tu pars et tu auras la clé de ta voiture. Obi. Tu es très chanceuse que je suis déjà en retard pour toi. Oh, je suis vraiment chanceuse. Vas-y, marche. Prends un tricycle. Prends une moto, je m'en fous pas mal. Mais tu vas partir et revenir me trouver ici. Tu veux ta foutue clé. Comme ça, tu pourras encore aller t'amuser avec elle. Give me some air. Give me some air. Sun shut it down. My lover, my friend. Show compassion, my lover, my friend. Where is your conscience? Mon fils. Mon fils. Qu'y a-t-il? Hey.
Vas-y, dis-moi. Tel que je vois ton visage, on dirait que ça ne va pas bien. Maman, je ne vais pas bien. Il n'y a rien qui va bien autour de moi. Ta fille est décidée à me tuer et je ne vais pas bien, maman. C'est pour ça que je suis là. Ok, entrons à l'intérieur et en parlons. Je ne suis pas venu m'asseoir, maman. Je t'en prie, mon fils, allons à l'intérieur. Nous ne pouvons pas rester comme ça debout, non? Très bien. Je ne suis pas venu m'asseoir. Prends place. C'est quoi le problème? Hein? Maman, c'est ta fille, Chizoba. Je savais. Chizoba a décidé de faire de ma maison un enfer. Je ne sais pas, mais parfois elle se comporte comme si elle était possédée. Imagine la nuit dernière. Ma propre femme m'a refusé l'accès à ma chambre. J'ai dû dormir au salon. Est-elle malade? Comment est-ce qu'elle peut se comporter comme ça? Cela n'est rien du tout. Ce matin, Chizoba a confisqué la clé de ma voiture. J'ai dû marcher de la maison jusqu'au carrefour. Mon Dieu. Comme ça, je pourrais prendre le bus qui m'amènera au travail. Et pourtant, je ne vois plus garer chez moi. Biko, maman, s'il te plaît. En fait, je commence à me fatiguer. Je ne supporte plus ces bêtises. C'est pour ça que je suis venu. Je t'en supplie. Je t'en supplie pour ma fille, Chizoba. Je t'en supplie, pardonne à mon fils, s'il te plaît. Je t'en supplie, je vais personnellement causer avec Kelo. Elle va changer. Biko, avant que je n'oublie, j'ai fait à manger mon fils. Laisse-moi que je te serve, ok? Hein, Biko? Je n'ai pas envie de manger, je vais être très bien. Je dois aller voir mon père avant de rentrer en ville. Hey, s'il te plaît, je t'en supplie, ne dis rien à ton papa. Je vais personnellement causer avec elle, elle va changer. Oh, Biko. Maman, s'il te plaît, hein? Peu importe la conversation que je compte avoir avec mon père, ça ne te concerne pas. Ce qui te concerne, c'est d'appeler ta fille et lui dire de changer. Je le ferai. Bye bye, oh. Hey! Cette fille ne cessera jamais d'apporter les problèmes dans ma vie. C'est encore quoi cette histoire? Elle est toujours en train de me décevoir. Hein? Qui lui apprend tout ceci? Je vais m'assurer de l'appeler. C'est quoi cette histoire? C'est vraiment inacceptable, Chizzy. Tu ne peux pas faire ça. Personne ne règle la folie avec la folie. Tu es en train de te plaindre que c'est un homme infidèle. Et pourtant, tu ne lui donnes pas la paix. Tu lui refuses tout ce qui peut bien permettre un mariage d'évoluer. Ce que je veux est simple. Je veux qu'Obi s'humilie devant moi. Je veux qu'il ait peur de moi. Je veux qu'il cesse toute relation ou amitié qu'il a là, là-dehors, avec n'importe quelle femme. Je ne demande pas beaucoup, n'est-ce pas? Mais la façon dont tu t'y prends est mauvaise. Comment? Avec ta façon d'agir, tu vas finir par le pousser définitivement dans ses bras, dans les bras de cette amoureuse secrète, s'il en existe une. Hein? Et si elle en a une, tu me dis? Ma puce, l'autre jour, il est rentré et il puait le parfum de femme. Et tu me demandes s'il y en a une? Bien sûr qu'elles sont nombreuses. C'est ridicule. Ça t'étonne? J'ai également vu des taches de rouge à lèvres sur sa chemise. Quand un homme trempe, ça se voit sur tout son visage. Il ne peut pas le cacher. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, tu l'as déjà vu recevoir des appels bizarres? Non. Est-ce que tu as vu un message ou une conversation bizarre dans son téléphone? Non. Laisse tomber, Tizi. Transforme cette énergie en différentes solutions pour tes problèmes. Quel problème? Ne fais pas comme si tu es ignorante. Tu ne l'as même pas à appeler. Vu la façon dont tu te comportes, tu t'attires à toi-même des ennuis. Oh, je vois. Je vois ce que tu essayes de faire. Tu essayes de te moquer de moi.
Non, ma chère amie. Je suis ici pour t'aider et pour te dire la vérité. Je suis ton amie. Toutes ces choses finiront par retomber sur ton visage. Je t'en prie. Quand tu seras fatiguée, s'il te plaît, utilise la porte. Je pense qu'elle a bien fait. Elle a même fait comme il faut. Peut-être que la prochaine fois, tu apprendras à t'occuper de tes affaires. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Elle est mon amie et elle a des ennuis. Je ne peux que donner le meilleur de moi pour l'aider. Tu penses qu'elle veut ce qui est bien pour toi? Non! L'écriture sur le mur est tellement claire. Elle cherche la personne avec qui elle va se noyer. Écoute, je ne veux pas que quelque chose t'arrive. Donc fais attention. Tu m'écoutes? Fais attention! Mon amour, je suis désolée. Je t'en prie, pardonne-moi. Pour le moment, je vais arrêter de la voir. S'il te plaît. C'est mieux comme ça. Je veux dire, tu devrais faire attention. En passant, tu as l'air stressée. Comment était la journée? C'était un peu fatigant au boulot aujourd'hui. Mais tout va bien. Et ton boulot, comment c'était? Non, ne parle même pas de ma journée parce que c'était... tellement stressant. Vraiment? Je t'assure. Est-ce que tu sais que je devais décharger un conteneur de 6 mètres chargé de marchandises avec les autres? Mon dos me fait très mal. Je sais où tu veux en venir avec ça. Ça non, fait comme ça, j'ai dit, je vais... Hey, ok, je vais bien. Je vais bien maintenant. Est-ce que c'est comme ça? Stop, bébé, stop. Attends, je sais ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais où commencer et je sais où m'arrêter. Franchement, je vais te dire quelque chose. Viens là. Je peux avoir quelque chose à manger? Tu veux manger? Retourne d'où tu viens parce que je ne nourris pas les chiens en chaleur. Qu'est-ce que cela veut dire? Retourne où tu as travaillé et mange ta nourriture. Tu piges? Mon cœur. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Pourquoi? Tu sais pourquoi j'ai fait ça, Robin. Ne fais pas semblant de ne pas connaître. En tant que bonne femme, j'ai suggéré que l'on rencontre une thérapeute pour nous aider. Qu'est-ce que tu as fait? Allez, si tu suggères qu'on reparte chez la thérapeute, alors... nous pouvons le faire. Ben non. Toi, mon cher, tu dois retourner chez la thérapeute et compléter ton devoir. Alors, il s'agit bien de la thérapeute? La thérapeute va t'aider à cesser les flirts. Tu dois retourner chez elle et terminer ton devoir. Si jamais tu manques un seul jour, dans les jours requis, je vais te montrer de quoi je suis faite, Obinna. Crois-moi, tu verras. D'accord, j'irai. Mais donne-moi d'abord à manger. Ah.
Je vais le faire, si c'est ça ton problème. Don't make me feel like not enough. My lady, remember all the sacrifice. Love's not enough. That's your love. Salut. Salut. Eh bien, tu voulais qu'on se rencontre? Oh oui, c'est vrai. En fait, il y a un certain nombre de choses dont je voudrais qu'on parle. Oh, ok, très bien. Alors, où veux-tu qu'on aille? Mon bureau ou bien le tien? Est-ce que ça pourrait être elle? Madame, mon patron n'est pas à l'intérieur. Ferme-la. Ferme ta sale gueule. Parce que bien sûr, tu vas soutenir un patron infidèle. Stupide secrétaire. Madame, j'ai la... Ne dis rien. Je ne t'ai pas demandé de dire quoi que ce soit. Abina, donc, c'est arrivé au point où tu amènes tes stupides et putains de concubines dans ton bureau. Je vais casser cette porte. Si tu ne l'ouvres pas, je vais la casser. Je vais la casser. Madame... J'ai la clé. Votre mari n'est pas à l'intérieur. Ouvre-la. Maintenant. Je viens de vous dire qu'il n'est pas ici. Madame. Je vous ai pourtant dit qu'il n'était pas à l'intérieur. Écoute. J'ai besoin de ton aide. Mon aide? Oui. Aïe, aïe, aïe. En quoi est-ce que je peux aider ma patronne? Je te paierai le double de ce qu'il te paie. Comme ça, tu pourras me dire à chaque fois que Anne vient ici pour le voir. Ah. Et ne t'en fais pas, il ne saura pas. Il ne saura pas que tu me donnes des informations. Madame, qui est Anne? Quoi? Que veux-tu dire pas qui est Anne? Comme si tu ne savais pas qui est Anne. Donc tu vas rester là et soutenir ton patron qui trompe sa femme? Tu n'as pas honte? Ah. Madame, si je peux m'immiscer dans cette affaire, votre mari, mon patron, est un homme fidèle. Alors, je ne sais pas d'où tout ceci vient. Je veux dire, si votre mari est très infidèle, je crois qu'étant la secrétaire, étant toujours avec lui, je pourrais être celle avec qui il vous trompe.
Désolée, madame. Tu as 5 clés dans ta tête. Désolée, madame. Tu vas faire le travail ou pas? Comme toi. J'ai dit qui est-ce? Et c'est moi, Shizuba. Salut. En fait, jusqu'à présent, je n'ai toujours pas pu lui parler. Oh. Mais demain matin, j'ai rendez-vous avec lui. Oui. Ok, demain, c'est bon, je peux attendre. D'accord. Je peux utiliser tes toilettes, s'il te plaît. Oh. Ceci, ils ne sont pas du tout opérationnels. Okay. Utilise ceux de la réception, ok? Oh, j'en peux plus. Je ne vais pas mettre le bazar, je le promets. Non, non, ceux-ci sont dans un état pitoyable. Ils ne sont pas du tout propres. Hein? Utilise ceux de la réception. Tu te sentiras mieux là-bas. C'est bon. Hmm? C'était génial de te revoir. Ouais, veille. Tout cet endroit a l'odeur d'Oli. Je pourrais jurer que j'ai senti le parfum d'Obi dans mes poumons, dans son bureau. Non! Non! Mais ne pense pas comme ça. C'est fou. C'est... Ce n'est pas fou. Ce n'est pas fou. Ce n'est pas fou! Yes. Ouvre cette porte ou je vais la casser. Ouvre. Ouvre cette porte. Oui. Qu'y a-t-il? Je t'ai dit qu'ils ne sont pas opérationnels. Écoute, meuf, je suis désolée. Pardonne-moi, je suis désolée. Et si tu n'as pas confiance en moi, alors pourquoi est-ce que tu m'as confié cette mission? J'ai dit que j'étais désolée. Je le suis vraiment, je... J'aime tellement Obi. Parfois, il me rend folle. C'est presque comme une obsession. J'ai besoin d'aide. J'en ai vraiment besoin. Je pense le pouvoir continuer avec cette mission d'espionnage que tu m'as confiée. Vu que tu me soupçonnes aussi. Écoute, j'ai dit que j'étais désolée. Reprends-le. Je ne voudrais pas appeler la sécurité pour qu'ils te mettent dehors. Va-t'en. De m'éviter une catastrophe. Dieu. Oh. Dieu. Bonjour, monsieur. Oui, comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Monsieur, votre femme était ici le matin pour causer des ennuis. Elle a même failli casser la porte. Ma femme?
Oui, monsieur. Pourquoi est-elle venue ici? Selon elle, vous étiez dans votre bureau avec une femme. Alors elle a essayé de me blesser en forçant d'entrer dans votre bureau. Regarde, je suis désolé, ok? Je suis vraiment désolé, hein? S'il te plaît, est-ce que je peux avoir les documents de l'entreprise, Vinkoff? Ok, monsieur. Je vais régler ça. Écoute, nous devons arrêter de nous voir. Ok? Si ce n'était pas le cas que j'ai été capable de m'échapper par les toilettes, en ce moment, le monde entier serait sur ma tête. Allez, tu n'as pas besoin de me parler comme ça. J'assume pour tout ce qui est arrivé, ok? C'est de ma faute. Et je compte bien me rattraper pour ça. Je n'ai plus besoin d'une thérapeute, merci. Je te le promets, je vais... Il m'a raccroché au nez. Bien. Il se fait déjà trop tard pour rebrousser chemin. Qu'est-ce que tu veux? Je suis désolée. Nancy, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé plus tôt. Comme j'ai dit. Et moi, je ne veux plus avoir à faire quoi que ce soit avec toi. Nancy. Non, je ne peux plus. Tu as rendu ce travail inconfortable et stressant pour moi depuis le jour où tu es venue dans mon bureau me demander de l'aide. Je vais changer. Je le promets. C'est trop tard. Et il n'y a rien que je puisse faire. Je ne veux plus te voir ici. Et si jamais tu remets les pieds ici dans mon bureau, je vais prendre ça comme une injure. Et je vais appeler la sécurité pour toi. Nancy. Va-t'en. Vraiment? Va-t'en! N'importe quoi. Je le jure. Je le jure, Obi. Je jure que tu vas le payer. Tu vas payer pour tout cet embarras. Je le jure, Obi. Tu vas subir pour cet embarras. Je te jure que tu vas subir pour cet embarras. C'est quoi ton problème? Est-ce que tu penses que cette personne qui t'a appelé pour te dire qu'elle a vu ton mari avec une autre femme, tu crois que cette personne t'aime? C'est quoi ton problème? Pourquoi dois-tu toujours défendre Obinna? Pourquoi est-ce que tu ne peux jamais voir les choses de mon point de vue? Comme je vois. Et c'est quoi ton point de vue exactement? Chizoba, tu es en train de stresser cet homme. T'es toujours pas fatiguée? Non. Non, je ne suis pas fatiguée. Est-ce que tu connais le niveau d'embarras que j'ai reçu aujourd'hui à cause des actions d'Obinna? Je suis ici. Je suis ici en train d'attendre qu'il rentre. Parce qu'il doit payer pour tout l'embarras qu'il m'a causé aujourd'hui. Il va payer. Ma puce, je t'en prie. Tu es en train de détruire le lien qui tenait votre mariage. Tu rends ton mariage vulnérable. Attends. Tu vois cette porte? Utilise-la. Maintenant. Tu es en train de me demander de sortir de chez toi? Je veux fermer ma porte. Lève-toi. Vraiment? Oui. T'es sérieuse? Lève-toi! Va-t'en. Va-t'en. Elle ne revient jamais. L'un de ces jours, je vais découvrir si Obinna t'a payé pour toujours prendre son parti. My lover, my friend.
compassion. My lover, my friend. Qui a fermé ce portail? Qui a fermé le portail? Oui, oui. Abina, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Qui a fermé ce portail? Je l'ai fait. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi quoi? Pourquoi est-ce que tu l'as fermé? Abina, qui était cette fille avec qui tu es sortie plus tôt? Réponds-moi. Pourquoi tu fermes le portail? Tu es malade? T'es sourd? T'es stupide ou autre chose? Pourquoi réponds-tu à ma question pour une autre question? Est-ce que tu sais dans quel embarras tu m'as mise aujourd'hui? J'étais cherchée dans toute la ville, roulant partout comme une folle, en essayant de te traquer avec cette idiote. Tu es devenue sourd? Qui est-elle et où l'as-tu emmenée? Abina, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu crois en fait que tu peux briser ce cadenas? Non, essaye encore. Pourquoi est-ce que tu me punis? Tu dois me dire où tu as emmené cette fille. Je ne vais pas t'ouvrir ce portail. Et même si tu réussis à casser ce cadenas, la maison principale, jamais tu ne peux entrer là-bas. Jusqu'à ce que tu me dises ce que je veux savoir. Abina, à moi non, Fouébel. Où est-ce que tu as emmené ta pute? Tu n'as pas honte? Quel genre d'homme irresponsable es-tu? Où crois-tu aller? Tu pars. Abina. Abina. Ok, tu repars chez elle. Hey. Tu n'as pas de remords. Tu n'as pas de remords pour ce que tu as fait. Non, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Quand tu vas finir, tu vas revenir. Mais non, vas-y, Obina. Vas-y. Tu dois me dire où tu as emmené cette fille. Je ne vais pas t'ouvrir ce portail. Et même si tu réussis à casser ce cadenas, la maison principale, jamais tu ne rentreras là-bas. Jusqu'à ce que tu me dises ce que je veux savoir. Abina, à moi, mon fouet belle. Où est-ce que tu as emmené ta pute? Tu n'as pas honte? Quel genre d'homme irresponsable es-tu? Où crois-tu aller? Tu pars. Abina. Abina. Ok, tu repars chez elle. Je crois qu'à ce point, je peux clairement dire que je regrette ce mariage. Tout ce mariage, je le regrette. Je veux dire, comment est-ce qu'un adulte comme moi, qui possède une maison, une grande maison d'ailleurs, avec plusieurs chambres, viennent dormir dans le bureau. Je crois qu'il est temps que j'annule ce mariage. Ça suffit. Ça, c'est assez. Ça fait longtemps que je ressens ce vide en moi. Tizi m'a poussée à un point où je dois m'en foutre de ma conscience et tout faire pour obtenir exactement ce que je veux. Je l'aime. Et je ne peux plus cacher ses sentiments. Je ne peux plus. Your love is pushing me to the wall. Your love is pushing me to the wall.
quick. Wipe this out. Wipe this out. We can work it out. Oh, oh, my lover. Please don't break my heart. You know I love you. You know I love you so much. Oh, my lover, my crazy, crazy lover. You know I love you. Obinna. Obinna. Obinna, comme ça tu as laissé cette maison pour aller passer du temps chez ta concubine. Hé Dieu. Obinna, tu dors chez ta copine en ce moment et je suis ici à t'attendre. Je l'ai dit. Bien sûr qu'il est coupable. S'il n'était pas coupable, il serait rentré à la maison. À moi. Mais il est coupable. Je serai ici. Obinna, je serai ici. Jusqu'à ce que tu reviennes. Si tu veux, rentre en plein jour. Je serai toujours ici. Si tu veux, rentre l'année prochaine. Je serai toujours ici. Je serai ici à t'attendre. Je t'attends.